Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message intemporel de ce mardi 10 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, cette petite pensée, n'est-ce pas, pour être heureux tous les jours, le retour de la lumière. Gardez confiance. Toujours, même dans les épreuves les plus difficiles. La nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse, rappelle un poème perçant. Eh bien, c'est bien vrai, n'est-ce pas? Quelle coïncidence? Non, parce que la coïncidence n'existe pas. Eh bien, j'ai pigé aujourd'hui la chouette. La chouette, elle vit la nuit, n'est-ce pas? C'est une nocturne, la chouette. C'est la prudence, la chouette. Et oui, pour certains d'entre vous, ça parlera et ça ne parlera pas à d'autres, n'est-ce pas? Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre avec vous. La chouette, eh bien, elle est réputée pour sa vision nocturne. Elle évoque l'idée de percevoir ce qui est caché, de dévoiler les secrets et, bien d'apporter une lumière dans l'obscurité. La chouette, elle voit au-delà des apparences. Elle possède cette capacité de voir au-delà, de discerner la vérité cachée. Cette carte, elle représente un message, une illusion, une leçon, une apparence peut-être. Alors la chouette, elle indique une période de confusion où vos instincts et votre intuition peuvent être perturbés. Il est important d'être attentif aux signes et aux avertissements. Et de ne pas ignorer les sentiments de malaise ou les intuitions qui vous mettent en garde contre certaines personnes ou situations. Alors, est-ce que vous avez bien posé votre question? Je vous laisse un instant pour poser votre question. Ok. La guidance de cette carte, eh bien, la chouette vous rappelle de ne pas vous décourager face à des circonstances difficiles. Vous vivez peut-être présentement une problématique. Ne vous découragez pas. Utilisez cette expérience pour approfondir votre connaissance de vous-même et pour, pourquoi pas, affiner vos objectifs. Vous savez, parfois, les refus sont des opportunités pour vous orienter vers un chemin plus aligné avec votre être intérieur. Cela veut dire que si vous avez eu un refus, eh bien, ne le prenez pas mal. C'est qu'il y a autre chose pour vous. Alors, la réponse à votre question, c'est non. Il existe actuellement des obstacles. Il existe actuellement des résistances ou des contraintes qui empêchent, eh bien, la réalisation de votre intention. Qu'est-ce qui bloque? Il y a un blocage, il y a des obstacles, il y a des résistances. Que pouvez-vous mettre en place pour franchir ces obstacles, ces résistances, ces contraintes? Posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour débloquer la situation? Alors ne vous découragez surtout pas, n'est-ce pas? Encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui
que vous n'y arriverez pas demain. Il y a peut-être des choses à changer, voire autrement. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Alors que ça soit dans le domaine professionnel, dans le problème, dans le sentimental, dans votre vie personnelle. Donc voilà, il y a des obstacles, il y a des choses peut-être à voir sur un autre angle, peut-être que vous n'avez pas aussi assez d'éléments, peut-être que le refus que vous avez eu, si c'est au point de vue professionnel, sentimental, personnel, eh bien, c'est que ce n'était pas pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur. Ne pensez pas que ce refus est négatif. C'est tout simplement que il y a autre chose qui est meilleure pour vous. Soyez patient. Vous allez peut-être découvrir le pourquoi de ces blocages, de ces résistances, par un message. Vous allez peut-être voir aussi l'apparence d'une personne qui ne montre pas ce qu'elle est. Donc tout ça, voilà, c'est à mettre, à regarder tous les aspects. Donc la chouette, avec ses grands yeux, donc elle vous met en garde et puis essayez de, voilà, de trouver ce qui ne va pas et le pourquoi du comment. Et puis vous y arriverez, n'est-ce pas? Voilà, quand vous aurez mis en lumière, parce que c'est vraiment ça la chouette, hein, quand vous aurez mis en lumière ce qui ne va pas, eh bien, il y a bien, bien des choses qui vont se débloquer et ces obstacles seront derrière vous. Je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Quel beau message, n'est-ce pas, des anges gardiens. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, moi je vous retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.